Bonjour les gars, je suis à 30 minutes de ma destination. J'en profitais pour faire une petite vidéo pour vous donner mon avis concernant les réactions des Camerounais sur le drame qui s'est joué au Cameroun ce week-end. En effet, un journaliste que jusqu'à son enlèvement je ne connaissais pas a été enlevé, dis donc. Et froidement assassiné. Donc j'ai vu la vidéo comme tout le monde, hein, la vidéo de la collecte de son corps, et elle est choquante. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ceux qui ont fait ça ont voulu lui enlever toute dignité humaine. Ça, c'est vrai. Qu'on soit choqué aujourd'hui, c'est un sentiment unanime. Parce que quelqu'un dénonce. Bah, il finit comme ça. Maintenant, il faut pouvoir établir. Vous savez, le fait d'être choqué n'empêche pas d'être curieux et, comment dire, le fait d'être choqué ne doit pas vous empêcher de chercher réellement la vérité. Une chose est sûre, c'est que la personne en question dénonçait un certain nombre de choses. Ça, c'est vrai. D'après les éléments qui en ressortent, il dénonçait beaucoup de choses. Des choses anormaux, des choses anormales autant pour moi. Et une chose est sûre, c'est qu'il a été tué, puisqu'on le voit mal se suicider dans cette position. Donc c'est évident qu'il a été tué, c'est évident qu'il ait dénoncé un certain nombre de choses. Par contre, le lien de causalité n'est pas établi, encore une fois. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps de vous emballer. En fait, vous les Camerounais, quand on vous écoute, vous croyez qu'une enquête, ça se fait en 2 ou 3 jours. Vous êtes dans tous les directs des gens qui sont en Occident, qui n'en savent pas plus que vous, à écouter et à bouffer les conneries qui sont en train de verser tout le temps. Vous savez qu'une enquête, ça peut mettre 10 ans. C'est pas parce que vous êtes excité que vous aurez la réponse. Le problème, c'est que si seulement vous pouviez faire ça et être constant dans la recherche de la réponse, ce serait bien. Mais je parie avec vous que d'ici 10 jours, vous serez déjà dans les fesses de Cynthia Fiangan et probablement de Flore de Lille, Martinez Ogo, terminé, passé à autre chose. On m'a envoyé une vidéo de Rémy Gonod. Et finalement, je ne regarde pas Rémy Gonod dans ce genre de conneries. Rémy Gonod, c'est un raconteur d'histoire. Forcément, il va vous dire grande révélation. Et au passage, il va gratter, comment dire, il va gratter un peu de monétisation parce que ça attire les gens. Vous êtes tout le temps, il y a un truc qui se passe au Cameroun. Venez écouter un abruti qui est en France. Qu'est-ce qu'il va vous dire de plus? Putain, c'est pas possible. Je préfère que quelqu'un me dise, je suis en contact avec quelqu'un du dossier qui enquête au Cameroun. Voilà. Mais Rémy Gonod, Boris Berthaud, qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'il va vous dire de plus? Vous allez savoir quoi de plus? Là, on est aujourd'hui le 23, c'est ça? Je ne sais plus. Mais quand on l'a déjà, le 23. Bah, une chose est certaine, c'est que Martinez Ogo est décédé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sa mort n'est pas naturelle. Donc, il a été tué. Donc, Martinez Ogo a été tué. Maintenant, est-ce qu'il a été assassiné ou est-ce qu'il a été enlevé? On le torturait et malheureusement, il est mort. Les gens n'ont pas su quoi faire de sa dépouille et ils sont allés jeter ça quelque part pour s'en débarrasser. On n'en sait rien. Donc, les meurtriers, est-ce qu'ils avaient vraiment la volonté de le tuer? Vous voyez, c'est des choses qu'il faut savoir. Vous ne pouvez pas vous prononcer. Vous ne pouvez pas dire. Bah, des gens qu'on enlève au Cameroun, on les fait leader et on les rend. Paul Chuta a déjà été enlevé plusieurs fois, bastonné et il n'a pas été tué. Fridolin Kéa a été enlevé plusieurs fois bastonné par des gens qu'il a attribués à la police alors qu'en fait c'était des personnes non identifiées. Vous voyez? Toujours ce genre de choses en fait. Les mecs dès qu'ils sont enlevés par un groupe de voyous, ils sont bastonnés directement, c'est les forces de l'ordre qui ont voulu régler le problème. Maintenant, les méthodes des forces de l'ordre au Cameroun sont connues. Quand ils veulent vous donner une leçon, ils achètent une montre, ils vous amènent dans un commissariat et ils vous font leader. Et vous, après, vous rentrez chez vous. On ne vous enlève pas, on vous emmène dans les bois. Ça, c'est les méthodes du maquis, ça. C'était pas ça, c'est pas les méthodes de la. Comment dire, des forces de l'ordre au Cameroun. C'est pas la méthode. Donc, je suis désolé, je ne peux pas. Je peux pas. Je me lance pas dans les. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'une enquête pour vous dire réellement ce qui s'est passé. Vous êtes dans des pays, la plupart de ceux qui bavardent là sont dans des pays développés. Vous voyez-vous même le temps que dure une enquête dans ces pays-là?
Je prends le cas de Jonathan Daval. Jonathan Daval, le matin même du jour, le matin même du meurtre, la police savait que c'était lui. Quand on a signalé la disparition de la fille, 2 heures après ce signalement, la police savait que le mec est impliqué là-dedans. Ils ont mis 3 mois avant l'arrêter. Pourquoi d'après vous? Pour collecter les éléments de façon à ce que le dossier soit bétonné et tienne sans le moindre aveu. Le rôle d'un procureur, c'est d'avoir un dossier bétonné qui tienne sans le moindre aveu de la part du prévenu. C'est-à-dire que sans avoir son aveu, tu établis sa culpabilité. Donc qui peut nier, c'est son problème. C'est ça. C'est le but des 3 mois qui ont précédé l'arrestation de Jonathan Daval. Et des cas comme ça, il y en a plein, où le policier, dès le matin, il connaît la personne qui l'a fait. Il a des indices forts. Il concentre là-dedans et ça ne fait que se confirmer au fur et à mesure. Et ils mettent parfois 8 mois avant d'arrêter la personne. Donc, c'est pour vous dire, il n'y a pas d'enquête évidente. Mais j'espère que vous allez être comme ça. Vous êtes en train de dire que ça ne passera pas cette fois. C'est très bien. Moi, je veux le fin mot de l'histoire. Je veux la clarification de l'histoire. Mais je suis d'accord, je suis très certain que au moment où les résultats vont sortir, on ne va pas vous entendre. Quand il y aura une enquête et qu'on va dire voilà réellement ce qui s'est passé, vous serez dans les fesses de Cynthia Fiangan ou de Flore de Lille, mais vous ne serez plus dans l'actualité en fait. Vous voyez ? C'est ça le problème des Camerounais, c'est que vous pensez qu'on peut avoir tout de suite. Je peux comprendre que ça vous choque, et moi perso, je suis choqué quand même que quelqu'un finisse comme ça. On lui enlève toute dignité humaine. Moi, je suis choqué. Mais le fait que je sois choqué ne veut pas dire que je vais chercher la vérité qui m'arrange. Et évidemment, je sais quel est votre raisonnement. Votre raisonnement, c'est de vous dire, au Cameroun, on a une justice corrompue, on a des enquêteurs branquignols, et donc, si on compte sur, on n'aura pas la vérité. Et là, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas l'impression que les enquêteurs camerounais m'aient déjà bluffé de façon spectaculaire par la qualité de leurs enquêtes. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour autant que tu décides de l'issue de l'enquête parce que tu n'as pas la possibilité? Quand tu es dans cette situation, accepte que tu es dans ce qu'on appelle l'indécidable. Là, personnellement, je ne peux pas décider. Vous voyez? On vient me dire, oui, j'étais à l'hôpital, le médecin légiste a dit ceci, mais publiez le rapport médical. Parce que moi, je crois aux actes. Quand je dis actes, je parle de documents écrits. Les raconteurs des Camerounais, je ne fais confiance. Ils disent, tout ce qu'on bavarde là, ça ne m'intéresse pas. Je fais confiance aux éléments tangibles. Parce que les gars sont très forts. Rémi Gondo, c'est quand même quelqu'un que j'ai déjà... C'est pour ça que je ne peux même pas perdre le temps pour regarder sa vidéo. Rémi Gondo, c'est quelqu'un que j'ai déjà épinglé plusieurs fois pour mensonge et honte. Le mec qui prend des photos de quelque chose au Malawi, des enfants morts dans un éboulement dans un pays, pour dire que c'est les morts du Nozo que Paul Biya a tué. Donc on les connaît, ces gens. Donc je ne peux... Si ces gens n'ont que leur parole, vous ne devez pas leur faire confiance. En revanche, soyez exigeant vis-à-vis des enquêteurs. Demandez que la lumière soit faite. Exigez que les ministres donnent des instructions pour qu'il y ait une enquête, si c'est la vérité qui vous intéresse. Maintenant, si toi, l'abruti qui me regarde, tu as déjà décidé que c'est Amougou Beninga ou Laurent Esso qui est derrière, évidemment, quel que soit ce qu'on va faire, ça ne t'intéresse pas. Donc, ça ne sert plus à rien bavarder. Comme tu as décidé que ce sont eux, va les arrêter directement. Ne décide pas que ce sont eux qui ont tué et tu es tout le temps encore dans les directs tous les soirs pour confirmer ça. Le mec dans sa tête le matin, il a déjà décidé que c'est Amougou Beninga qui a tué le mec. Il a déjà décidé. Hein. Et tout ce qu'il veut, c'est regarder tous les tirés des abrutis qui vont le conforter dans sa croyance. Maintenant, tu n'es pas dans la recherche de la vérité, mon ami. Tu n'en sais rien. À l'heure qu'il est, Martinez Ogo est mort. Ça, c'est un fait. Il a été tué, deuxième fait. Martinez Ogo était un dénonceur qui dérangeait. Ça, c'est un fait. Mais le lien de causalité entre ses dénonciations et sa mort n'est pas établi, mon gars. Et ça, c'est une enquête qui va le faire. Le lien n'est pas établi. Maintenant, j'entends des spéculations. On connaît l'immatriculation de la voiture qu'il a enlevée. Mais les gars, vous êtes des rigolos. Vous connaissez l'immatriculation de la voiture qu'il a enlevée? Depuis 3 jours, vous attendiez qu'il soit mort? Vous connaissez l'immatriculation? On sait que la voiture a été louée. La voiture l'a enlevée. On sait que la voiture a été louée par un certain X, Y, Z qui travaille pour la société d'Amougou Beninga. Mais mes chers amis, vous saviez ça depuis le premier jour, vous avez attendu sa mort? Mais si tu dis ça, on doit t'arrêter pour non-assistance à personne en danger. Si tu connais la voiture qu'il a enlevée, mais tu peux remonter à celui qui l'a enlevée assez rapidement. La voiture qu'il a enlevée, c'est une voiture location. Ok, pas de problème. Cette voiture location appartient à telle société à Douala, pas de problème. Tu as loué à qui? J'ai loué à certains mecs de Rangers. Ok, on sait où il habite. On va cueillir le gars, dit c'est toi qui as enlevé Martinez. Il est où?
Donc, vous avez l'information de l'immatriculation de la voiture. Vous avez l'information du gars qui a loué la voiture. Parce que si tu as l'information, c'est que tu as été témoin oculaire de l'enlèvement. Tu ne peux pas avoir l'information 6 jours après. Si on a l'information sur l'immatriculation de la voiture, ben ça veut dire qu'on a l'information d'un témoin oculaire. Vous écoutez les trucs, vous ne vous posez pas la question. Cherchez la vérité, les mecs. Mais il faut parfois challenger la vérité. Dans le but d'être sûr que tu n'es pas en train de croire à une connerie. Si on a l'immatriculation à voiture, ça ne peut être qu'une information donnée par un témoin oculaire de la scène. Sinon, comment tu fais le lien entre cette voiture et l'enlèvement si quelqu'un n'a pas vu la voiture? Il y a quelqu'un qui dit c'est facile pour toi, tu penses que nous sommes en France. Mais j'ai pas dit que. Mais si tu n'es pas en France, pourquoi tu ne peux pas créer un faux profil, tu parles? Arrêtez avec ces conneries-là. Est-ce qu'il y a une omerta sur l'enquête? On a bien filmé comment ramasser son corps. S'il y avait une omerta même, on pouvait bien trouver son corps, on fait disparaître son corps, tu n'es même pas au courant. Arrêtez souvent de tout chercher les moyens de rester enfoncé dans vos conneries. Je n'ai pas dit que c'est facile. J'ai dit, il y a une enquête. Si ceux qui sont au plus près de l'enquête ne donnent pas d'informations, eh bien, il faut accepter que tu ne sauras jamais exactement ce qui s'est passé. Et ce n'est pas parce que tu ne sauras jamais ce qui s'est passé que tu dois décider ce qui s'est passé. Mais c'est incroyable dans votre tête, en fait. C'est les mêmes conneries avec tu n'en sais rien que la voiture de Chikombu, tu marches. Non, ça ne marche pas. Tu ne l'as pas vu marcher. Donc, moi, je dis que ça ne marche pas. Toi, tu n'as pas vu la voiture marcher. Tu viens m'attaquer, moi, au lieu de demander à Chikombutu de faire marcher sa voiture et de me clouer le bec. Vous avez le cerveau à l'envers. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas résoudre un problème d'enquête. Si les enquêteurs raisonnent comme vous, c'est pour ça qu'on n'a jamais la vérité sur les enquêtes. Vous êtes des abrutis finis. Quelqu'un présente une voiture et dit que la voiture a une autonomie limitée. Il n'a pas fait la démonstration. Je doute. Ce qui est normal que je doute puisque je n'ai pas la preuve. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, il y a beaucoup d'ingénierie qui dépensent des sommes faramineuses en recherche et développement. Et ce serait un gars qui a arrêté l'école à 14 ans qui aurait la lumière. Ok, pas de problème. La seule possibilité de croire ça, c'est parce que vous croyez à la sorcellerie. C'est parce que vous croyez que le mec, il a reçu une information divine. Mais si tu ne crois pas ça, ça n'a aucun sens. Maintenant, un mec qui dit ça, moi je doute, ce qui est tout à fait rationnel. C'est normal que si je n'ai pas vu la voiture faire 10 000 km sans consommer, c'est normal que je doute. Toi, tu n'as pas vu la voiture avancer. Moi, je n'ai pas vu la voiture avancer. Je suis un sceptique. Toi, tu es un croyant. Toi, tu viens m'attaquer, moi, au lieu d'appeler Chikombotou pour dire non, gars. Il y a un abruti en France qu'on appelle Serge Anango qui dit que ton truc là ne marche pas. Pardon. Fais décoller l'hélicoptère là. Tu traverses l'Atlantique, tu me cloues le bec à ce salopard. Il bavarde trop. Non, vous ne faites pas ça, non. Vous ne challengez pas le mec. C'est moi que vous venez attaquer. Mais vous êtes des malades mentaux. Voilà comment votre cerveau fonctionne. C'est pour ça que vous êtes givropathe mental, vous ne sauriez même pas la vérité. Dans 2 semaines là, si Cynthia Fiangan refait une vidéo où elle est en train de piner Martinez Ogo à la trappe, terminé, on n'en parle plus. Voilà. On n'en parlera plus de Martinez Ogo. Ça sera fini, terminé. Dans 1 semaine, vous savez pas ça. Vous êtes en train de dire, oui, on doit savoir. Non, une enquête, ça ne se fait pas en 3 jours. Il faut être sérieux, les mecs. Vous êtes des gamins de 2 ans. C'est comme l'enfant qui dit, papa, je veux une Ferrari. Ben, il ne sait pas qu'il faut travailler de l'argent pour gagner la Ferrari. Je ne comprends pas. Les gens au pays connaissent ce qui s'est passé, comment? Mais si vous savez ce qui s'est passé, ça dit que vous aurez pu empêcher ce qui s'est passé. Mais vous êtes des malades. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça... Est-ce que tu te rends compte, seul soif? Dis-moi qu'il y a un enquêteur qui a des premiers éléments qui donne une idée de ce qui a pu se passer. Ça, je veux t'entendre. Mais ne me dis pas que les gens savent, espèce d'abruti. Si vous saviez, vous aurez pu le sauver. Donc vous savez que on allait l'enlever pour le tuer. Mais vous n'avez rien fait. Ou alors c'est en regardant le cadavre que vous avez imaginé, vous avez vu le scénario là, le scénario de l'enlèvement et du meurtre, vous le voyez sur le cadavre, mais vous êtes des malades mentaux les mecs. Vous êtes toujours comme ça avec vos commentaires à 2 balles. C'est pas parce que tu dis les gens savent que ça veut dire qu'ils savent. Si tu sais ce qui s'est passé, ça veut dire que dès le départ tu as les informations, mais ça veut dire que dès le départ tu pouvais l'empêcher. Quand on arrive sur un fait de crime, on peut établir des scénarios. Dis, on a des scénarios plausibles sur ce qui s'est passé. Mais ne me dis pas qu'on sait ce qui s'est passé. Non, vous n'en savez strictement rien. Ou alors vous étiez complice. C'est tout. Seuls les complices, seuls ceux qui ont commis ça, à l'heure qu'il est, savent ce qui s'est passé. Le reste là, c'est du bavardage à 2 balles. Allez écouter ça si ça vous arrange. Vous ne serez pas plus avancé. Moi, je n'écoute rien de tout ça.
Je n'écoute rien de tout ça. D'ailleurs, la seule vidéo que j'ai regardée, c'est celle de Valsero, parce que ça a au moins l'avantage d'être des vidéos de 5-10 minutes. Valsero, il a déjà fait le lien avec Paul Biya, l'administration Paul Biya. Oui, il y a des gens au Cameroun qui sont zélés. Il y a des gens au Cameroun très zélés, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Ça ne devrait pas se faire. Mais c'est le même zèle que vous souhaitez souvent qui, quand vous venez sur Internet, dit que Serge Anangon met les pieds au Cameroun. Mais c'est parce que vous me souhaitez ce genre de destin. Pourquoi vous êtes choqué? Vous êtes tout le temps en train de menacer les gens avec un truc. Et le jour où ça arrive, maintenant, vous faites les... Ah, monsieur. Mais quand vous êtes tout le temps en train de dire, Serge, mets les pieds à Yaoundé. On va t'enlever, tu vas disparaître. Combien de personnes m'ont déjà dit ça là en commentaire? Combien de personnes m'ont dit ça? Le jour où ça arrive, vous êtes les premiers choqués. Ben, c'est ce que vous aimez, non? Vous souhaitez un pays où parce que quelqu'un a ses idées, il atterrit à Yaoundé, on l'enlève, il disparaît. Ben voilà donc l'application numérique. Pourquoi vous chialez votre maman? Pourquoi vous chialez donc? Ne plaisantez pas souvent avec des choses débiles. Donc je dis encore une fois, ce qu'on sait maintenant, ce que Martinez Ogo est mort, ce qu'on sait, c'est qu'il a subi des sévices, et donc il n'est pas mort naturellement, il ne s'est pas suicidé, il a été tué. Ce qu'on sait aussi, c'est que le mec dénonçait des choses qui dérangeaient, c'est vrai. Le lien n'est pas établi, il n'y a pas un lien entre son activité et sa mort. Mon cher ami, je vais vous dire une chose, ma passion à moi, c'est regarder les affaires de crime. Parce que la mécanique qu'il y a dans la tête d'un enquêteur, ça me passionne. Et ça vient du fait que mon papa était un policier. Mon papa, c'était un policier vraiment qui n'aurait jamais dû être policier au Cameroun, mais chez les Blancs. Je vous dis sincèrement, quand vous voyez ma méthode d'être sceptique, c'est comme ça que mon père était. Mon père cherchait la vérité, pas la vérité qui l'arrange. Mon père cherchait la vérité. Il ne cherchait pas la vérité qui l'arrange. C'est pour ça que mon papa, il n'avait rien à faire dans la police camerounaise. C'était un flic poumbeng. Parce que c'est lui qui m'a transmis les méthodes que je ne retrouve jamais chez vous. Vous êtes dit, ah là, oh, t'es là, dit. C'est mon papa qui m'apprenait à interroger un récit. Mais non, la personne te dit, il n'était pas là, Serge, tu ne peux pas écouter ça. Il n'était pas là. Ça doit être établi par. Alors que mon père, il avait arrêté l'école en cinquième. Hein. Mais il y a des expressions de mon père que j'utilise aujourd'hui. Malgré mon bac plus 5, je suis toujours bluffé. Mais comment le pâté là pourrait faire pour savoir ça? Mais vous, je ne sais pas comment vous avez grandi dans votre cerveau. Pour vous, vous pensez que Rémi Gonos s'assoit dans son salon? Il a tous les infos là, mais vous êtes des malades mentaux. Si toi tu es au Cameroun, tu écoutes Rémi Gonod, c'est que tu es une grosse chèvre. Oh, les gens sont au Cameroun, ils savent ce qui s'est passé. Bon, fermez donc vos gueules. Et ça continuera. Ne dites donc pas que vous combattez ce qui est méchant. Tu combats quoi? C'est les mêmes conneries avec Kamto. On est au Cameroun, on veut que Paul Biya part, mais on a peur. Donc ça a Rémi Gonod en France de chasser Paul Biya. Mais vous êtes des gyvropathes mentaux, les gars. Allez vous faire soigner. Vous êtes des chieux et des pourritures. Vous n'avez aucune cohérence. Des trouillards. Vous préférez balancer les conneries dont vous n'êtes pas prêt. Vous savez très bien que si vous dites une bêtise, on va vous demander de prouver. Rappelez-vous le mec qui est actuellement en train de lire là, en prison. Le gars qui était dans un champ de bananes, qui a traité l'administration Biya de voleur en insultant Paul Biya. Quand il est arrivé au tribunal, le juge lui a demandé, monsieur, vous avez accusé le président de la République de vol d'argent. Est-ce que vous avez la preuve? Le gars dit non, je n'ai pas la preuve. Voilà. Donc si vous êtes en train de. Si vous avez peur de parler vous-même, c'est parce que vous savez que quand vous accusez quelqu'un de meurtre, il faut être sûr de son coup. Il faut être sûr de son coup, mon gars. Parce que c'est diffamation immédiate. Ça ne rigole pas. Parce que sinon, tu te retrouves en train de coller ça. Mais j'ai vu des gens au Cameroun, sur qui on avait collé l'étiquette. J'arrive à Fumbot 2093. Le gars, jusqu'à ce que je parle de Fumbot, il a l'étiquette que c'est un femme là et qu'il vend les enfants. Donc on te colle une étiquette comme ça, mon ami. Et parfois, tu n'es même pas au courant. Et parfois, tu n'es même pas au courant, en fait. Les gars t'ont déjà collé une étiquette que tu es un assassin. Tu n'es même pas au courant. Tu arrives quelque part, les gens te saluent, ils sont bizarres. Tout le monde dit que tu es un vendeur d'enfants dans la femme là. Mais tu es le seul qui n'est même pas au courant que tu as une telle accusation qui pèse sur toi. Bref, ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas le courage de parler, c'est parce que vous savez que vous n'avez pas les preuves. Si vous saviez ce qui s'est passé, ça veut dire que vous aurez pu l'empêcher. Point à la ligne. Les seuls qui savent ce qui s'est passé, c'est ceux qui ont enlevé. Si tu sais ce qui s'est passé, dis où on l'a tué. Puisque là-bas, à l'évidence, ce n'est pas la scène de crime. Hein. Là où on a retrouvé sa dépouille, ce n'est pas la scène de crime. C'est pas la scène de crime. Donc, si tu sais ce qui s'est passé, bah, tu me dis, va à l'hôpital. Mais pourquoi toi, tu étais à l'hôpital, tu as le résultat de l'enquête. Ben, si, l'hôpital ne peut que décrire les conditions de sa mort, mais pas le scénario de sa mort. L'hôpital va confirmer qu'il a été torturé, mais je pense que c'est visible sur la photo. Hein.
Quand tu vois la photo de sa dépouille, tu vois très bien qu'elle a subi des sévices. L'hôpital, le médecin légiste, mais vous êtes des abrutis finis en fait. Vous ne savez même pas le rôle de chacun. Alors je vous explique quelque chose. Le médecin légiste ne désigne pas de meurtrier. Le rôle du médecin légiste, c'est d'analyser la dépouille de quelqu'un et de donner les causes de sa mort. C'est maintenant aux policiers d'en faire les interprétations. Donc, si tu me dis qu'on a la réponse à l'hôpital, c'est que tu ne connais même pas le fonctionnement de ces institutions-là. À l'hôpital, c'est la médecine légale. Le mec, il regarde le corps, il fait l'autopsie, il dit, Martinez Ogo est décédé de telle chose, il a subi telle chose, il a reçu un coup sur la tête, il a reçu ceci, il a reçu des électrodes dessus les couilles, on l'a électrocuté, on a introduit un objet dans ses orifices, très bien. Ça, c'est ce que le médecin légiste dit. Mais ça ne dit pas qui l'a tué, ni où il a été tué, ni pourquoi il a été tué. La question, c'est qui l'a tué, où l'a-t-on tué et pourquoi il a été tué. Le médecin légiste est incapable de répondre à cette question pour l'instant. Le médecin légiste ne dit pas ça. Donc, quand tu dis tu étais à l'hôpital, tu as la réponse, c'est que tu es un abruti fini. Les mecs, parfois, quand vous êtes débiles comme ça, ne venez pas sur mes postes. Je vous en supplie. Je ne cherche pas les vues des crétins comme vous. Franchement, vous êtes fatigant à être bête. Vous savez, plus vous êtes bête, plus on essaie de vous expliquer comment ça marche, vous voulez imposer votre bêtise à la place. Mais depuis quand un médecin légiste résout une enquête? C'est incroyable. Franchement, c'est hallucinant, quoi. Même en regardant les experts Platini, est-ce que c'est le médecin légiste? Le médecin légiste donne une indication. Le médecin légiste va dire où l'enquête, le meurtre a eu lieu. Qu'est-ce qu'on a relevé sur la victime, qui permet par exemple de remonter à un suspect. Mais le médecin légiste ne dit pas c'est elle qui l'a tué. C'est pas le rôle du médecin légiste. C'est pas son rôle. C'est ça que les mecs ne comprennent pas. Les abrutis, ils ont le rapport peut-être. Admettons même que leur rapport. Médico-légal, là, le rapport du médecin légiste est vrai, admettons. Mais encore une fois, je vous rappelle que qui a tué Zogo, où l'a-t-on tué et pourquoi l'a-t-on tué? Voilà les trois réponses importantes à laquelle il faut répondre. Parce que, vous savez, quand on attrape un meurtrier, le mobile du crime intéresse les enquêteurs. Les enquêteurs sont intéressés par le mobile du crime. Vous voyez? Parce que c'est important. Donc, pour l'instant, il y a un mobile qui est évident pour tout le monde. Ça désigne un suspect, c'est normal. C'est normal que Amougou Beninga soit suspect. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est normal. Parce que quand quelqu'un est mort, on cherche tous ceux qui lui en voulaient. Qui est-ce qui en voulait à Martinez Ogo? Qui aurait eu intérêt à sa mort? À l'évidence, si vous dites qu'il gênait beaucoup Amougou Beninga, ça veut dire qu'Amougou Beninga avait un intérêt à ce qu'il se taise. Là-dessus, il n'y a pas matière à discussion. Amougou Beninga avait un intérêt à ce qu'il se taise. C'est vrai. Laurent Esso avait un intérêt à ce qu'il se taise. C'est vrai. Mais ça ne prouve pas qu'ils sont directement ou indirectement impliqués dans sa mort. Ça, c'est le rôle d'une enquête. Voilà pourquoi il n'y a pas d'enquête dans votre pays. Parce que les enquêtes, vous vous en battez complètement les couilles. Dès qu'il y a un truc qui se passe, vous avez déjà votre idée en tête. Votre scénario est dressé. Tout ce qui compte, c'est de trouver le moyen de conforter ce scénario. Voilà. Et donc, on va passer la soirée. On va aller écouter tous les lives. On va aller écouter tous les lives qui parlent de ça, en espérant qu'il y ait un truc croustillant à dire. Et chacun, pour rendre son live intéressant, va dire, j'ai des révélations. Eh, hey, les gars, moi, je peux faire ça. Hein. C'est pour ça que quand vous êtes tout le temps là en train de me parler de mes vues, vous pensez que ça m'amuse. Je cause aussi avec des gens au Cameroun qui ont le pouvoir. Hein. Mais vous ne me voyez jamais venir lancer les lives pour dire j'ai des révélations. J'ai des révélations. Je ne vous voyais jamais faire ça, moi. Donc, je ne suis pas dans du sensationnel. Vous, ce qu'il faut pour vous intéresser, c'est du sensationnel. C'est tout ce qui vous intéresse. Moi, je ne fais pas dans du sensationnel. Je fais dans la réflexion. Il y a un problème, on réfléchit. Évidemment que ça n'intéresse pas les Camerounais. Si j'avais lancé le live en disant que les gars, j'ai des révélations. Il y a quelqu'un là qui m'a dit que. Eh bien, je suis sûr que vous serez à 500 là. Ce serait bien très partagé partout. Les gars, allez sur la page d'Anango. Ouh, il est en train de nous sortir les trucs là-bas. Les gars, vraiment, l'affaire, elle est grave. Hein. Mais oui, on peut faire ça. On peut tous faire ça. Comment? Ça m'intéresse pas. C'est un attrape-couillon, c'est tout. Moi, c'est pas les couillons. Les couillons ne m'intéressent pas. Les couillons ne m'intéressent pas. Cette réaction, c'est typiquement la réaction pour attrape-couillon. Ça ne m'intéresse pas.
Moi, il y a un problème, je cherche la vérité. C'est pour ça que vous voyez, je suis toujours à contre-courant. Je vais vous dire une chose. Quand je donne souvent le conseil ici, que si tu ne sais pas quoi faire, regarde ce que tous les Camerounais font, tu fais l'inverse. Quand je donne ce conseil-là, c'est pas pour plaisanter, mec. C'est pas pour plaisanter. On ne sait pas ce qui s'est passé, c'est vrai. Ce qui s'est passé, ça nous choque tous. Il y a des suspects possibles. Sans une enquête sérieuse, si votre but, c'est de savoir ce qui s'est passé, sachez qu'il n'y a qu'une enquête pour révéler ça. Sauf si un des tueurs vient parler. Si un des tueurs vient parler, et encore une fois, je vais vous dire une chose, ce n'est pas parce qu'il va venir dire j'étais là quand on l'a tué qu'il faudrait l'arrêter pour le mettre en prison. Il faudrait corroborer son témoignage et le circonstancier. C'est pour ça que quand quelqu'un avoue le crime d'une personne qui a disparu, il est important qu'on retrouve le corps. Parce que sans le corps, il peut nier plus tard et vous n'avez aucun moyen de le confondre. À partir du moment où le gars dit j'ai tué ma femme, je l'ai enterré dans tel bois, à tel endroit, il est impossible que quelqu'un d'autre ait fait ça à sa place et il désigne l'endroit par hasard en entrant déterrer à sa femme. Non, c'est pas possible. Donc, il faut comprendre que même si quelqu'un vient dire j'y étais, il faut prendre son témoignage et le corroborer. Il doit donner des éléments qui ne sont connus que de l'enquête. Parce que l'enquête, quand il y a un problème là comme ça, dans un pays normal où les policiers sont des stratèges, ils savent que les médias sont là, ils savent que les médias sont friands, ils savent que les médias balancent des choses. La vraie personne qui sait des choses, c'est quelqu'un qui connaît une information que la police n'a pas diffusée. C'est comme ça qu'on arrive à faire les... Parce que dans ce genre d'enquête, alors je vous rassure, même en France, hein, quand il y a une affaire criminelle et qu'on fait appel à témoins, il y a des témoins qui pleuvent partout, ça perd un temps fou aux enquêteurs de vérifier tous ces témoignages. Parce que s'il y a un témoignage que tu ne vérifies pas et qui est à la décharge du suspect que tu as présenté au tribunal, son avocat va jouer dessus. Son avocat va t'appeler, il va au tribunal, il va te dire, monsieur, vous avez reçu le 7 février un appel de telle personne disant ceci, ceci, ceci. Avez-vous vérifié cela? Non, avec ça, il crée le doute. Et avec ça, il acquitte son gars. C'est pour ça que tous les témoignages sont vérifiés. Et ça, c'est des trucs qui perdent un temps fou à l'enquête. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une enquête, les mecs. Vous regardez, si pour toi, l'enquête, c'est parce que tu regardes les experts, man, oublie. Regarde, faites entrer l'accusé. Regarde les enquêtes impossibles. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Tu comprendras la complexité d'une enquête. Parce que si tu regardes les experts à Miami de Horatio Cain, là, il résout le crime le même jour. C'est-à-dire que quand on arrête le suspect le soir, il a encore les traces du sang de la victime sur la chaussure. Mais vous êtes fou ou quoi? Ça ne marche pas comme ça. Il envoie des éléments pour analyse à 10 heures. À 10h03, il a les résultats de l'analyse. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, même dans les pays développés comme la France, tu envoies des éléments pour analyse, tu reçois les résultats 6 mois après. Ça veut dire que tu as un suspect, tu ne peux pas le confondre parce que tu attends les résultats de l'analyse. C'est les résultats de l'analyse qui vont le disculper. Et parfois, tu as un gars qui est en prison, il a acclamé son innocence, tout ce que tu veux, mais c'est les résultats de l'analyse qui viennent le faire sortir. Ah ben non, ce n'est pas son ADN, ce n'est pas lui le violeur, ce n'est pas notre homme. On oublie de relâcher le gars. 6 mois, en tout cas, il a passé 6 mois en taule. Parce que l'enquête, c'est comme ça, mon gars. Si on était chez les experts, il passerait simplement 2 heures. Pourquoi il passe 6 mois? On a des éléments concordants. On a cet élément-là qui est l'ADN. On envoie ça aux expertises. Mais les enquêteurs, par ailleurs, à côté, ils ont d'autres éléments qui forgent leur conviction. On te fout en taule. C'est 6 mois après que le truc d'ADN vient dire, ben non, c'est pas lui. C'est pas lui, ça peut pas être lui. Vous savez pas ce que c'est qu'une enquête. C'est pour ça que vous excitez à chaque fois. Le Monseigneur Bala, c'était les mêmes choses. J'étais en train de vous dire les mêmes conneries. Je vous disais que vous êtes en train de bavarder. Quand on va dire rapport d'autopsie, machin, on avait même fait venir un médecin légiste de l'Allemagne pour ça, en fait. Pour des gens qui avaient quelque chose à cacher. Hein. Ils vous ont laissé faire venir. Le clergé camerounais avait exigé que ce soit le Vatican qui envoie un expert médico-légal. Vous savez que quand il y a une enquête comme ça, s'il y a une expertise médico-légale, il y a quelqu'un qui dit, tu ne maîtrises rien de la justice camerounaise. Allez, je te bloque. Quand quelqu'un maîtrise, attends, je t'invite ici, prends la parole, tu viens me dire. Attends, comment je peux inviter cet abruti? Banni, banni, banni. Putain, je peux même pas inviter, quoi. C'est incroyable, je peux même pas inviter les gens. Banni, banni, Orlus, banni, Orlus, suspendre Orlus, mais il n'y a même pas invité. Bah, tu serais venu me dire la justice camerounaise. Voilà, je te laisse 2 minutes. Tu me fais un commentaire pour me dire ce que tu connais de la justice camerounaise que je ne connais pas. Donne-moi un truc que tu connais que je ne connais pas. Tu as 2 minutes. Sinon, je te bloque. Vous connaissez tout, mais vous ne savez pas. Mais fais aussi le direct, tu viens expliquer, gars. Si moi, je ne connais pas
Et qu'au lieu de venir de faire des directs pour m'expliquer comment ça marche, tu viens m'insulter. À quel moment tu vas m'apprendre? Je fonctionne rationnellement avec ce que je vois. Je sais que les policiers camerounais ne sont pas des grands enquêteurs, mais ils n'ont pas l'habitude parce que ce n'est pas ce que vous attendez d'eux. Le jour où vous allez commencer à être exigeant avec la qualité de l'enquête, ils vont être de bons enquêteurs. Quand vous êtes déjà sur Internet en train d'aller regarder Riming Honor, s'il est plus crédible qu'un enquêteur camerounais, qu'est-ce que vous voulez que l'enquêteur camerounais fasse? Si Boris Berthaud est plus crédible que ceux qui sont en train d'enquêter dessus, qu'est-ce que vous voulez que l'enquêteur fasse? Il est découragé, le mec. C'est ça le problème. Il est découragé. Là, il ne s'agit pas de comment fonctionne la justice. Peu importe le fonctionnement de la justice camerounaise, le fait est que il faut, pour confondre un suspect, avoir des preuves pour le confondre. Et comment tu fais pour avoir les preuves pour le confondre si tu n'as pas fait d'enquête? Donc tu vas aller arrêter Amougou Beninga, tu vas dire, écoute, il t'a insulté à la radio hier, il est mort aujourd'hui, donc c'est toi. On appelle ça la corrélation. Ce n'est pas une causalité, mec. C'est la même chose quand on cherche un médicament. Sinon, tu manges l'huile de palme, après tu as mal au ventre. Tu prends la banane brûlée à l'huile de palme, tu manges. Ton mal de ventre finit 3 heures après, tu dis que c'est la banane brûlée et l'huile de palme qui a guéri. On appelle ça une corrélation, ce n'est pas une causalité. Donc là, je ne suis même pas dans le fonctionnement de la justice camerounaise. Donc, ton commentaire, ta connaissance ou mon ignorance de la justice camerounaise n'invalide en rien ce que je suis en train de dire. Ça prouve que ton cerveau n'arrive pas à écouter ce que je dis, en fait. Ça prouve que tu as de la merde dans ton cerveau, Orlus. Tu ne comprends rien. À quel moment ma connaissance ou non de la justice camerounaise invalide ce que je dis? Je dis qu'il vous faut une enquête pour régler le problème. Maintenant, le défaut peut être que l'enquête, la justice camerounaise ne fait pas des enquêtes sérieusement. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais vous en êtes aussi la cause. Hein. Donc, je ne suis pas en train de nier ce fait-là. Je suis d'accord qu'une bonne enquête proprement faite, bien menée, ne risque de ne pas voir le jour. La conclusion est très simple, mon gars. C'est qu'il va falloir que tu acceptes de vivre avec l'idée que tu n'auras pas la vérité. C'est ça aussi. Ce n'est pas parce que tu n'auras pas la vérité que tu décides de la vérité. Ce n'est pas par décret. C'est d'ailleurs ce que vous n'avez pas compris dans le terme « invention rejetée pour cause de violation des lois physiques ». Vous pensez qu'il y a un code pénal, il y a un code des lois physiques qui a été écrit par un homme et que comme l'homme a décidé que c'est comme ça, il interdit tout ce qui va à côté. Vous êtes complètement des frappadingues, mon ami. Est-ce que c'est un homme? Si je vous dis, si vous venez dire, monsieur, j'ai un enfant, garçon de 7 ans qui a accouché hier matin. Je vais vous apporter la preuve. On va vous dire, non, votre déclaration n'est pas conforme aux lois de la nature. Donc, circulez. Mais, Olus, s'indigner ne veut pas dire qu'on a la vérité. Est-ce que j'ai été interdit d'indigner, mon ami? Tu m'as dit que je ne connaissais pas la justice camerounaise. Je t'ai demandé de me dire ce que je ne connaissais pas. Tu me dis, laisse-nous indigner. À quel moment je t'ai empêché d'indigner? À quel moment? Est-ce que vous écoutez même sans ce que les gens disent avant de répondre? Est-ce que ça vous arrive d'écouter ce que quelqu'un dit avant de répondre? J'étais empêché d'être indigné où? C'est indignant ce qui s'est passé. Moi-même, je suis indigné. La différence, c'est que moi, j'ai la tête froide par rapport à toi. Ce n'est pas parce que je suis indigné que je cours à gauche, à droite, regarder ceux qui n'en savent pas plus que moi. Je t'explique une chose. Rémi Gonon n'en sait pas plus que toi. Il n'en sait pas plus que moi. Je ne me suis pas intéressé de très près à cette affaire. Hein. Mais une chose est sûre, les Camerounais ont l'art de raconter, de bavarder simplement pour meubler. Le bavardage. Ils ont l'art de bavarder simplement pour meubler. Donc, je ne peux pas me fier à leurs paroles. Si un gars vient me dire « j'ai des informations sur cette enquête » et que la seule chose qu'il a, c'est sa parole, mon gars, je doute direct. Je n'écoute pas. Les Camerounais, je les connais. Vous êtes des menteurs. Vous aviez des... Quel scénario sur moi à l'ambassade, on n'a pas écrit? Quel scénario sur moi à l'ambassade? Scénario sur moi n'a pas été écrit. Hein? Quel scénario n'a pas été écrit? Oh, il a volé les disques durs. Oh, il a fait ci. Vous avez la vidéo de l'ambassade à la télé, sur YouTube. Même la vidéo est là, mais vous arrivez à mentir. Vous croyez que c'est sur ce genre de choses que vous savez dire la vérité? C'est sur ce genre de choses que vous savez dire la vérité? Si un Camerounais vient balancer que je sais de ce qui s'est passé dans ce... S'il n'a que sa parole, je lui dis, va te faire foutre. Si tu veux avoir mon attention, viens avec un élément sérieux. Par exemple, hier, quand on m'a dit, quand on m'envoie la vidéo où on ramassait son corps, c'est une vidéo de 10 secondes. J'ai dit que je ne crois pas à cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça peut être le corps de quelqu'un qu'on ramasse au Nigeria. Il a fallu qu'on me dise que Paul Diezibia était sur les lieux
Il a fait un direct, j'ai dit oui, là, ça le circonstancie, ça localise le gars à l'endroit. Là, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai validé. Mais si c'est une vidéo de 10 secondes où on porte un corps pour aller mettre dans la voiture, ça peut être au Nigeria. Et vous connaissant, vous avez déjà fait ça plusieurs fois. Des malhonnêtes que vous êtes. Donc vous connaissez. Donc je ne tombe plus dans ce piège-là. Oui, la justice camerounaise est corrompue. Et Yvan, tu m'apprends quoi? Est-ce que parce que la justice camerounaise est corrompue, il faut décider que c'est Amougou Belinga et Santeni l'a dit, bon, ok, comme la justice camerounaise est corrompue, c'est Amougou Belinga le tueur, terminé, il n'y a pas de débat, on n'y revient plus. Alors pourquoi vous demandez donc qu'on fasse la vérité alors? Allez arrêter Amougou Belinga. Très bien, allez-y, allez l'arrêter. Soyez cohérents au moins. Si vous avez déjà bouclé l'enquête et que vous êtes des enquêteurs et que la justice est défaillante, corrigez la justice, les mecs. Vous arrivez. Est-ce que vous ne vous brûlez pas sur les voleurs? Vous brûlez sur les voleurs, non? Allez arrêter Amougou Belinga, vous le brûlez. Est-ce que c'est un problème? Corrigez donc. Vous dites souvent que vous brûlez les voleurs parce que la justice ne fonctionne pas. Donc vous savez vous acharner que sur les faibles. Vous avez décidé que c'est Amougou Belinga, non? Pas de problème. Vous savez que c'est son chauffeur qui était à Rangers. Vous connaissez l'adresse. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas pour le brûler? Allez l'arrêter. L'enquête est bouclée. Tout est terminé. La justice est corrompue. Donc on s'en fout de ce que la justice va dire. Nous, sur Facebook, on a déjà enquêté, on a la vérité, on est depuis la France, on est depuis l'Angleterre, on sait ce qui s'est passé, on a le scénario, Orlus est venu, on a informé Orlus, on est en Angleterre, l'abruti au Cameroun, mais c'est nous qui lui disons ce qui s'est passé. Très bien, pas de problème. Donc Orlus, allez arrêter Belinga, vous le brûlez. C'est votre travail de corriger les erreurs de la justice camerounaise. Quand elle est défaillante et qu'un voleur, que vous attrapez un voleur, que faites-vous? Vous ne le remettez pas à la justice puisque vous ne faites pas confiance à la justice. Vous le brûlez, non? Bon, si c'est Amougou Belinga ou Laurent, allez l'arrêter pour le brûler, donc. Ou alors ça ne marche que sur les faibles. Donc vous êtes fort avec les faibles avec les forts. Pourquoi vous venez sans taper votre épaule? Que non, mais depuis que vous brûlez les gens, là, le vol a diminué. Vous voyez vous-même à quel point vous êtes des minables. Regardez comment vous pensez. On dirait des gamins d'un an. Vous êtes des minables. Vous savez sympa, vous acharnez sur le petit voleur de tomates que vous avez croisé. Mais si vous êtes énervé, tuer Martinez Ogo, c'est plus grave que voler la tomate. Si vous avez le tueur, pas de problème. Allez l'arrêter. Brûlez-le. Pourquoi vous êtes sur Internet à aller écouter Rémy Gonon? Pourquoi tu écoutes Rémy Gonon? Pourquoi tu écoutes Maurice Berthault? Pourquoi tu l'écoutes? Tu connais ce qui s'est passé, mec. Vous savez ce qui s'est passé, vous êtes au pays. Allez m'arrêter les bêtises, vous brûlez. Allez l'arrêter, tu le brûles. Et on sait ce qui s'est passé, mais seulement on a peur. Quand c'est le voleur de tomates, ah ça, tout le monde est énervé, quoi. T'as des mecs qui ont la rage. C'est-à-dire que tu as le gars, il a la rage pour tabasser le voleur de tomates. Toute la rage qui ne peut pas taper. Allez arrêter Amougou Belingaron. Allez-y. Vous savez où il habite, non? Vous débarquez là-bas à 2000. Vous lui faites l'heure. Vous le brûlez. Soyez cohérents au moins dans vos bêtises. Ou alors fermez vos gueules. Ou fermez vos gueules. Si votre force de. Oui, la justice ne fonctionne pas, on ne fait pas. Si ça, c'est simplement pour aller brûler les petits voleurs, c'est que vous êtes des grosses merdes. Je répète encore ici, ce que je dis n'a rien à voir avec la justice. La démarche est la même pour tous les enquêteurs. C'est simplement les moyens qui ne sont pas les mêmes. Tu vois? Elle est là la différence. De par les moyens, je parle de la qualité de l'enquêteur. Mais la démarche est la même. Si on veut. Établit les tueurs. Si on veut même remonter à Amougou Belinga, il faut arrêter les tueurs pour que ceux-ci désignent nos commanditaires. Parce que si vous arrêtez les tueurs, ils ne le désignent pas, vous allez accuser Amougou Belinga sur la base de quoi? Admettons même qu'on arrête le fameux gars de Rangers. Il dit, écoutez, moi, mon patron, je lui suis loyal, j'en avais marre que ce mec l'attaque, je l'ai vu souffrir, alors que je sais que c'est un homme bien, machin. Je prends un exemple, hein. C'est un scénario, je suis pas en train de dire qu'Amougou Belinga, c'est un homme bien. Ne me prêtez pas des mots. J'en ai rien à foutre de lui, hein, complètement. Mais complètement rien à branler du monsieur. Complètement. Imaginons le gars dit ça. Il dit, j'ai trouvé que ça pourrait lui rendre service que d'éliminer ce mec. Tu remontes à Amougou Belinga, comment? Si tu n'as pas son téléphone expertisé avec des échanges téléphoniques où Amougou Belinga lui donne les instructions, tu n'as pas un compte bancaire où bizarrement le mec qui touchait 150 000, subitement Amougou Belinga lui a versé 25 millions dans le compte. Bah, évidemment, 25 millions dans le compte d'un type à qui tu payes 150 000 tout le temps, ça ressemble quand même. Hein, à un paiement pour quelque chose. Donc oui, ça accrédite l'idée que. Mais, tu vois, c'est une enquête qui doit établir ça. Comment tu vas le savoir? C'est-à-dire que tu peux trouver le gars refuse d'impliquer Bellinga. Hein. C'est encore l'enquête. Toi, tu n'as pas accès au relevé du compte du gars. Tu n'as pas accès à son niveau de vie. Le policier va vérifier. Toi, tu gagnais combien comme machin à la sécurité? Tu gagnais 100 000.
Bon, comment ça se fait que tu t'es acheté une Citroën qui coûte 5 millions? Tu as trouvé l'argent où? Non, c'est mon patron qui m'a donné. Ok, ton patron, ça lui arrive de donner souvent des voitures comme ça aux gens? Quelle est la dernière personne à qui il a donné la voiture? Il a donné à Bruno Bidjan. Ok, très bien, c'est le directeur, c'est normal, voiture de fonction. Il doit quand même avoir un certain prestige, un standing quand même. Mais à quel gardien de sécurité avant toi il a donné la voiture? À personne. Ah, là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Donc, il t'a donné la voiture qu'à toi? Ok, pas de problème. Voyez, ça, c'est un élément qui accrédite l'idée qu'il y avait un marché entre toi et lui. Tu vois? Même s'il ne l'implique pas, on peut remonter à lui avec ça. C'est une enquête qui doit le faire. Donc, il faut remonter à ceux qui ont tué. Et pour ça, il faut enquêter. Et ceux qui disent qu'ils ont l'immatriculation voiture, je vous dis, pour moi, c'est du flanc. Enfin, tant que ce n'est pas confirmé par une version officielle de l'enquête, pour moi, c'est du flanc. Dessiner les scénarios comme ça, là, de ce qui s'est passé, les Camerounais sont trop forts. Ils sont forts. Je suis habitué de dire que, mais les gars, il y a parfois les gars qui me racontent ma vie, ça me Rwanda. Il y a quelqu'un qui te dit que Serge Anango, non, je le connais. Je le connais, on a grandi à Tinga ensemble. Le mec là, non, c'était un voleur dans le quartier. Hein. Le gars, il te raconte, tu es en faux profil. Hein. Le gars te raconte ta vie comme ça. Tu es Rwanda. Il te maîtrise. L'autre jour, j'ai une fois, j'ai appelé. Il y a une fille qui a appelé un gars qui était en train de raconter les conneries sur moi parce qu'elle avait mis mon statut pour me dire joyeux anniversaire et tout. Le mec l'appelle. Tu connais le fou là, machin. Le gars l'engage, mais tu le connais comment? Mais le gars fait un voice comme ça là pour dire je le connais, machin. J'ai jamais. Les mecs, ils savent que j'ai grandi à Yaoundé, mais ils savent que j'ai grandi à Foumbot, mais ils savent pas quand je suis parti. Parce que donc souvent, tu as des gars qui racontent des faits d'adolescence, alors que mon adolescence, la totalité, je l'ai passé à Foumbot. Mais ça, ils ne savent pas. Donc, ils disent, oui, je l'ai connu. À Yaoundé, on a fait ci, fait ça. Donc, ils relèvent de quelque chose, ils racontent un truc que c'est les adolescents qui font. Mais je n'ai pas été adolescent à Yaoundé, malheureusement. Et donc, je lui dis, appelle-le, tu me rajoutes. Quand j'appelle le gars, il commence à bégayer. Parce que le gars, il a mon macabo, parce que j'insulte les bamis. Il a mon macabo. Donc, du coup, il connaît ma vie. Donc, dresser les scénarios, et je sais très bien que les mensonges au Cameroun se propage plus facilement que la vérité. Maxwell Chikombo Mutu, il aurait dit, j'ai un doctorat en mécanique ondulatoire, je suis en train de travailler sur un procédé de transformation, de convertition des ondes de radiofréquence en énergie au moyen d'un transducteur. Le but du jeu serait d'associer plusieurs éléments en série de façon à obtenir une puissance utilisable. Il se sera arrêté là, personne n'en aurait parlé. Le but du jeu serait, dans la voiture, dans l'application, dans une automobile, de permettre à ce qu'en permanence, il reçoive de l'énergie extérieure et charge la batterie et donc augmente l'autonomie d'une voiture. Personne n'en aurait parlé. Vous savez ce qui a intéressé les gens? J'ai voulu déposer le brevet, on a refusé parce que ça violait les lois de la physique et je suis en danger de mort. On a déjà essayé de me tuer 3 fois. Sensationnel. Du coup, tout le monde. Personne ne parlait de l'invention, personne ne parlait de la technique, rien du tout. C'était élevé, le complot anti-blanc, l'anti-français, le France, tu avais tout le monde, tu avais les Kémites, tu avais les anti-France, tu avais les anti-France CFA, tu avais tout là-dedans. Personne ne parlait des techniques. Tu es arrivé sur une page, sur 12 000 commentaires, tu n'en as pas un qui dit, mais au fait, ton machin là, est-ce que ça marche vraiment? Tu n'en avais pas. Tu n'en avais pas. C'est pour ça que je vous dis que on devrait vous renvoyer, on devrait vous réesclavagiser. Vous n'êtes pas prêt. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté l'esclavage. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté. Vous serez plus utile dans un champ de coton. Vous ne savez pas utiliser votre cerveau, mais j'ose croire que vos mains vous seront utilisées. Vous ne pouvez pas réfléchir, les gars. Raisonner, ce n'est pas un truc propre au noir. Ça n'existe pas chez vous. Il faut du sensationnel pour vous attirer. Je vous dis, si j'avais lancé ce live en disant j'ai des révélations à faire, partagez le direct. Dès que vous êtes 300, je vais parler. On aurait eu 300 personnes dans ce direct. Mais quand je faisais le Japapaya Platini, c'est ce qu'on faisait. Hein. On lançait sa TV Japap. On disait que, gars, on a un Japap sérieux là. Partagez, partagez, partagez. Et les gars, partagez, mon gars. On avait les 2000 partages. Quand je fais la physique, il y a des moments où j'ai fait la physique, il y a 100 personnes qui me regardent. Il y a 3 partages. Je vous dis, hein, là, je vois 70 personnes. Si je m'en vais après compter le nombre de partages, je suis sûr qu'il n'y a même pas un partage. Personne n'a partagé. Donc, tous ceux qui sont arrivés sur le direct, ils sont arrivés parce qu'ils ont peut-être reçu le signalement. Personne n'a partagé. Alors que quand je faisais SATV Japap avec Platini, on disait que non, aujourd'hui on a le Japap sur Fleur de Lille, partagez, partagez les gars. Dès qu'on atteint 900 parles, nous on ne parlait pas avant 900. Hein. Nous on disait que tarif c'était 900 parles. Parfois, moi on arrivait même un jour j'ai même fait l'expérience. Quelqu'un venait dire, oh, un ingénieur qui parle au Congo ça. J'ai dit que bon, ok, si les Camerounais détestent le Congo ça, je vous donne 5 minutes. Il y a 900 personnes. Si
le nombre, s'il passe de 900 à 100, je quitte Facebook. Au bout de 5 minutes, on était à 1300. On était à 1300. Sensationnel. Donc, je sais comment vous avoir. Mais, gars, quand on vieillit, on n'a plus besoin de jouer. On ne veut plus jouer à ça. Ça ne nous intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. C'était les éléments que je faisais pour mes expériences scientifiques. Je voulais démontrer que le noir, lui, ça veut dire le sensationnel qu'on a, mais pas avec la réalité, pas avec la vérité, pas avec le raisonnement. Dans 2 semaines, on parie que vous et moi, je serai ici pour me foutre de votre gueule. Dans 2 semaines, on parie que l'actualité sur Facebook, ça sera autre chose. Ça sera autre chose. On est le... Combien là? Non, attends, je vérifie quand même. On est le 23. Donc, je lundi 23, ben, lundi 7, ça, hein, lundi 7. Lundi 7, je reviendrai faire un live. On en reparle le 7. Et je sais. Vous seriez déjà passé à autre chose. Rémi Gono lui-même serait déjà passé à autre chose. Hein. Il serait déjà en train de raconter d'autres japas. Qui a couillé avec elle, qui a piné avec elle. On lui a tout dit, il est à Paris. Hein. Mais il te décrit le scénario comme s'il y était. Il y a un genre de scénario que quelqu'un te raconte, tu sens qu'il a fabule. Parce que même quand tu transmets une information à quelqu'un, il y a des détails que tu omets. Il ne va pas te dire que la couleur de l'arbre, le poteau était comme ça. Non, ça c'est le romancier qui fait ça. Parce qu'il écrit un roman, il faut qu'il plante le lecteur dans le décor. Mais quand tu racontes une histoire à quelqu'un, tu n'es pas là pour planter la personne dans le décor. Tu racontes les éléments qui sont importants. Mais les mecs, ils en sont des détails inutiles en fait. Ça meuble le live fait 4 heures, mais il n'a rien dit. Allez écouter les bêtises, les gars. Allez, ciao.